Yo les cousins, comment va aujourd'hui? Bien ou quoi? Alors, les amis, la femme, les enfants, tout le monde, ça va bien? Même le petit chien, même le petit chat? C'est cool alors. Bon, allez. Un peu de sérieux. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de look. Eh oui. Et donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que là, j'ai tout fait, hein. J'ai fini le jeu, j'ai capturé Mewtwo, j'ai affronté Green. Mais il me reste encore certaines choses à faire, comme monter les niveaux des Pokémon, comme remplir le Pokédex. Alors, le Pokédex, où est-ce que j'en suis? Ah, mais j'ai 151 Pokémon sur 151, mais c'est fabuleux, et oui! Donc en off, hein, j'ai capturé tous les Pokémon, comme vous pouvez le voir. Précédemment, j'avais dit que j'avais réussi à obtenir tous les CT. Et voilà, j'ai tous les Pokémon, surtout, ben, dont certains, t'es obligé de faire les échanges avec des amis, hein, pour les avoir, pour les faire évoluer, et puis, pour ceux qui n'ont pas acheté Mew, comme moi, ben, je l'ai changé, voilà, avec mon frère, et ce qui a fait que j'ai pu remplir le Pokédex. Bon, après, c'est relativement facile à remplir ce Pokédex, hein, dans la version Let's Go Pikachu et évoluer, c'est particulièrement facile, hein, par rapport à la version d'origine. Par contre, petite nouveauté, là à la fin on m'a dit qu'il y avait des experts, des dresseurs experts, chacun en un Pokémon, c'est-à-dire qu'il y a 151 experts à chacun des Pokémon. Donc là nous le retrouvons à l'avant-ville, donc là on voit déjà deux experts avec deux Pokémon différents. Voilà, et ils sont tous éparpillés dans le monde. Enfin dans le monde, pas vraiment le monde, mais je veux dire sur la map quoi, sur le continent. Bah dans la région, voilà, la région. Oh là là, je vais y arriver. Donc voilà, vu que là, évidemment, l'ambiance correspond aux fantômes, forcément. Et je me suis un petit peu préparé, et je peux vous dire que j'en ai affronté quelques-uns, et c'est pas de la tarte, hein. Donc là, on va se préparer. Alors, quel est le principe? Parce que là, c'est vraiment une grosse nouveauté, c'est la première fois qu'on voit ça. Ah bah, mon ectoplasma, il est passé niveau 100. Ça va, c'était pas trop difficile hein, de le monter au niveau 100. Donc la plupart des experts, leurs Pokémon sont de niveau 75, 80. Ben voilà, par là. Et donc, pour les affronter. Salutations! Sans me vanter, je suis un expert en ectoplasma. Je n'ai qu'un objectif dans la vie, rencontrer l'ectoplasma ultime. Oh, mais que vois-je? Un puissant ectoplasma t'accompagne, hein? Oh là là! J'en perds mon langage. Crois-moi, j'ai l'œil. Après tout, je suis expert en la matière. Que dirais-tu d'un combat entre nos deux ectoplasmas? Ah oui, avec plaisir. En avant! Et que le meilleur ectoplasma gagne! Bon, c'est parti. Bon, ça va pas être de la tarte, hein. Il vaut être niveau 100, il y a des fois, hein. Donc voilà, pour affronter chacun des experts, tu peux pas choisir n'importe quel Pokémon, t'es obligé d'avoir le même Pokémon que lui. Et écoutez bien la musique, elle est légèrement remixée, vu que là on affronte les grands grands experts. Évidemment, c'est encore plus costaud que les conseils 4, hein. Là je peux vous le dire. Allez, tiens, je vais vous montrer Mega Evolution. Et on va faire Provoke, tiens. Lui, bon, j'avais tenté de l'affronter, j'avais déjà 6 niveaux de plus que lui, mais il me one-shot comme c'est pas permis, hein, comme si c'était le contraire. Comme si c'était lui qui avait même 10 niveaux de plus que moi. Après, je sais pas si c'est forcément une bonne idée de le provoquer, mais bon. Alors, voyons voir, je suis niveau 100 quand même, il va pas me faire. Ah, et voyez! Voyez, il est niveau 80! J'ai 20 niveaux de plus que lui, voyez tout ce qu'il fait comme dégâts? C'est parce que ses UV et tout, ils doivent être à fond, c'est pour ça. Ouais, pas mal ce remix de la musique. Hein. Bon, j'ai fait quand même plus de dégâts que la dernière fois que j'ai affronté, c'est-à-dire que j'étais niveau 86. Quoi. Et voyez, il me nique! Ah, mais il a fait un coup critique aussi. Ah, bah voilà, nickel! Bon après il n'y a pas de quoi se vanter, hein. J'ai monté mon Pokémon à fond et
Et je peux vous dire que c'était pas si difficile que ça. Incroyable, ta force relève du paranormal. Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ton ectoplasma est vraiment d'une puissance inouïe. Ma parole, c'est toi qui mérites le titre d'expert ectoplasma. Vous avez obtenu le titre d'expert ectoplasma. On aime les ectoplasmas tous les deux, alors remettons ça à l'occasion. Y'a pas de souci. Mais par contre, on gagne pas les points d'XP ni rien quand on les affronte. Même si les experts te mettent ton Pokémon KO, en réalité, t'as pas besoin de le soigner et tout. Il est remis sur pied, automatiquement. Alors là, on peut voir l'expert en... Hein. Oh, l'évolution de Phantominus, hein. Spectrum, voilà. C'est ça, hein. Oh là là, je sais plus. Ah ouais, Spectrum, voilà. Mais j'ai pas de Spectrum en plus, donc... Ah, tant pis. Bon, voilà, je voulais vous montrer un peu l'expert, c'est la grande nouveauté. Au début, je trouvais ça un peu moyen, parce que bon, il n'y a pas trop d'intérêt, mais finalement, si. Il y a un intérêt. Attendez, je me balade un petit peu, je vous montre. Hein, j'espère qu'on peut croiser, on peut vraiment les croiser n'importe où. Bon, là, tant pis, on va pas perdre de temps. Alors, où est-ce qu'il y en a d'autres hein? Ah mon dieu, il se cache, il se cache. Ah tiens, même à l'intérieur des maisons, même dans les grottes et tout, on peut en avoir vraiment partout. Hein. Vous voyez, l'expert en ossature. Ah, on va essayer de l'avoir, juste comme ça. Ça m'étonnerait que j'y arrive, hein, mais... Attendez. Bon, c'est vrai qu'à la base, j'avais pas prévu ça, mais... Il est où mon ossature, là? Il est là. Ah, niveau 28, tu vas me l'écraser comme si c'est... Bon, allez, non. Allez, on arrête les bêtises. Bon, je vais vous montrer, voilà, comme ça. Je vais vous montrer à quel point on peut les croiser vraiment n'importe où, vu qu'il y en a 151 dans le jeu, des experts. Voilà, allez, on va se téléporter. Et où est-ce qu'on va se téléporter? Eh bien, ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai le look de Team Rocket version James, Jesse et James. Voilà. Hein? Mais qui voilà? Mais qui c'est qui se cache derrière, au fond, là? Mais qui c'est, lui? Mais qui c'est, lui? Attends, je vais enlever... On va faire une équipe pour faire un combat loyal, quand même. Hein. Je vais pas garder mon spectre d'ectoplasma niveau 100. Hein, faut pas déconner non plus. Je vais reprendre mon Alakazam. Par contre, je me suis mis Mewtwo pour vous le montrer un petit peu. Parce que je vous avais montré vite fait les trois légendaires. Mais vu qu'ils ont un type vol tous les trois, forcément, et que j'ai déjà Dracaufeu qui est type vol, ça va pas trop le faire. Et là voilà, on a Raid. Ça alors. Attendez, je vais voir un petit truc. Donc voilà, le but d'affronter les experts en fait. Il faut réussir à obtenir 6 titres d'expert en 6 Pokémon différents pour faire apparaître Raid justement et pouvoir l'affronter. Là on a l'expert en Dracaufeu, mais bon. Voilà. On va affronter Raid. Il me lance un regard de défi. Acceptez-vous le combat? Oh oui. Alors Raid, le dresseur veut se battre. Eh oui. Raid qui n'est autre que Sacha dans la série. Ça fait vraiment plaisir de le revoir. Ah mince, mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Ah mince, j'ai oublié de changer de Pokémon. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi là. Oh bah tant pis. Aïe 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 aïe, j'ai fait n'importe quoi. Je pensais remplacer... franchement là, je suis myope ou alors je vais être fatigué, c'est pas possible. Je pensais remplacer Spectrum par Alakazam.
J'ai, sans faire gaffe, remplacé un autre Pokémon. Non, on va pas utiliser Mega Evolution parce que on peut l'utiliser qu'une fois dans un combat et. Et je tiens à vous montrer la méga évolution de Mewtwo, du coup, vu que j'ai gagné auprès de Green, hein, quand j'ai vaincu Green. Comme vous pouvez le voir, j'ai remplacé Bomberk par Toxic. Voilà, parce que Toxic, ça vaut vraiment le coup. Là, à chaque tour, ça fait de plus en plus de dégâts, en fait. Ah ouais, je l'ai enlevé que dalle. Et pourtant, il est niveau 85 et moi, j'en ai un peu plus, 87, 88. 88. Ouais, c'est... Ses UV sont à fond, lui aussi. C'est incroyable. Ah bah, je l'ai fini. Attendez, on va changer de Pokémon. Ah mais j'ai rempli. Ah, j'ai oublié d'enlever sur le Fera. D'accord, il me semblait que j'avais mis Dracaufeu à la place, mais bon. Madconner. Bon ben voilà. Tant pis, j'ai cru que j'avais préparé mon équipe, mais j'ai dû oublier certains des Pokémon, je sais pas. C'est un peu bizarre là. Enfin bref. Ça, je vous remontre un peu. C'est vrai que je vous l'avais pas montré longtemps, les Pokémon légendaires. Allez, on va faire un petit lame d'air. Ah, bien joué! Aïe, 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 aïe. Allez, s'il te plaît. On va changer de Pokémon parce que là, franchement, je le sens mal. Je le sens mal. Ah bah voilà, à la caserne tout simplement. Donc, si vous voulez savoir l'astuce hein, pour monter rapidement les niveaux des Pokémon, il suffit d'aller dans la grotte de Mewtwo et de capturer à la chaîne les Levenard, simplement. Et plus tu augmentes dans les combos de capture, plus tu gagnes des points d'expérience. Mais il est arrivé une fois d'atteindre carrément les 40 000 points d'expérience gagnés. Donc c'est pour vous dire quoi. Et aussi, un autre truc pour garder son combo plus facilement, qu'une fois qu'on a capturé énormément de Levenard, c'est-à-dire 100, et ben faut envoyer les 100 au professeur Chen, et là il t'autorise à le capturer plus facilement. Le cercle, au lieu d'être rouge, s'il représente la difficulté, et ben il devient vert, sauf évidemment quand on a les Pokémon Pokéball de base. Là, le cercle est jaune, mais sinon, pour rien que pour la Super Ball, elle est verte. Voilà. Allez, on va appeler Pikachu. Voilà, le cercle est jaune quand t'as la Pokéball de base et vert dès la Super Ball. Ça vaut vraiment le coup hein, d'envoyer les Pokémon à la chaîne comme ça au professeur Chen. En plus de gagner des bonbons. Des bonbons qui permettent d'augmenter les points d'attaque, les points d'attaque spéciale et tout ça quoi. Comme j'ai dû vous montrer sur une des vidéos. Ah, je lui fais bien mal quand même. Bon, durant ce combat, j'ai pas le droit d'utiliser Spectrum, hein, parce que niveau 100, voilà. Comme je l'ai dit, je le fais à la loyale. J'ai que 5 Pokémon, mais bon, tant pis, hein, j'ai fait n'importe quoi, franchement, là, j'étais pas concentré.
comprends que personne ne m'aime. Je fais vraiment n'importe quoi dans mes vidéos, c'est une catastrophe. Arcanin, un très beau Pokémon. Arcanin. Attends, il lui reste combien de Pokémon? Ah, Newtwo 92, bon, quelques niveaux de plus, mais je voulais vous le montrer. Alors, allez, pour commencer, on va faire Amnésie. Voilà, il oublie tous ses soucis et sa défense spéciale augmente. Une simple brise sur le visage. C'est tout ce que tu es capable de faire. Ah, c'est tous. Ok, j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Ah, mais c'est pas possible ça. Comment oses-tu me forcer à changer de Pokémon? Je ne suis pas d'accord. Ok. Très bien, ta guise. Ah, tu préfères voir Pikachu, c'est ça? Moi, je ne veux pas. Je veux reprendre Mewtwo. Ok, très bien. Allez. Mega Evolution version X. Et on va se faire soin. Bah, il en impose. Bon, c'est vrai que le design est un peu moyen quand même. Il est plus, il paraît plus impressionnant, mais bon, je crois que je préfère l'autre design. Ah non, je le ferai deux fois moins de dégâts maintenant. C'est pas vrai ça. Même si je fais soin, ça me fait récupérer que les PV. Donc, ah, je peux fuir quand je veux. Ça, c'est pas mal. Ah, on peut pas soigner ces Pokémon. Ah oui, ce serait trop facile, évidemment. Ah, c'est vraiment comme les trucs d'experts, en fait. Là, t'affrontes Sacha, mais façon expert, mais sauf que c'est avec les 6 Pokémon. Bon, on va faire un petit météore. Ouais, si tu veux. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Ok. Allez, on va lui faire toxique, comme ça au moins. Allez, Charizard. Courage, tu vas y arriver. Ouais, donc je peux pas soigner les Pokémon sauf si lui il a cette capacité. Et je peux pas faire rappel non plus. Je peux pas utiliser des rappels. C'est bien dommage. Ah là là, il va encore m'infliger des brûlures là. Et voilà, je lui fais que dalle maintenant comme dégâts. Pas grave, le poison va s'en charger. Par contre, vous remarquerez que Sacha n'a pas tout à fait la même casquette que dans la série, hein, dans les 5 premières saisons, quoi. Parce qu'à partir de la saison 6, qui représente la série. De la troisième génération, hein, la Pokémon Advance. Voilà, version diamant et perle, je crois.
Non, Ruby Saphir, pardon. Ruby Saphir. Ah, c'est bien, on est tous les deux KO. Un Ronflex. Non, on va lui faire canicule. Ah, il faudrait qu'il subit une brûlure, comme ça il prend beaucoup moins de dégâts. Parce que là, voilà quoi. Évidemment, ça n'a pas marché. Bon, il me reste plus que... Allez, on va prendre un Kazam. Petit coup de plénitude. Ah, ça tombe bien, j'ai pas attaqué. Allez, encore un. Alors, voyons. Attendez, je vais regarder un peu où j'en suis. Ah voilà, je peux encore le faire 3 fois. Non, 4 fois même. Ouais, on va se le faire encore un dernier coup quand même, faut pas abuser. Ah évidemment! Évidemment. Ah, c'est bien ça. Allez, psycho. Évidemment, il s'est protégé. Allez, on retente. Wow, je l'ai presque one shot, presque. Pourtant il a énormément de PV, Ronflex. Anyway, il a énormément de PV. Allez, on va changer. Évidemment, Pikachu, c'est pas une bonne idée. Sylphura, ça aurait été bien, mais bon. Non, on va pas changer. Attends, j'ai fait plénitude. Faut pas déconner. Ah bah oui, bah non, que je suis bête. Il est type plante et poison. Et le psy, c'est efficace contre le poison. Mais oui, évidemment, voilà. Faut que je réfléchisse un peu, là. Ça va pas, moi, hein. Ça c'est une bonne stratégie. En migraine. Allez, attaque! Allez! Attaque! Putain! Ah, mais pourquoi il attaque pas? Merde! Évidemment, j'ai été paralysé, j'ai pas pu attaquer. T'as une chance sur 10 de pas pouvoir attaquer. Putain, ça c'est con. Bon, ça va, j'ai enlevé la moitié quand même, malgré ma brûlure. Oui, j'ai été engagé par la Team Rocket, mais ça faut pas le dire. Et j'ai fait la demande auprès de Jesse et James. Ils m'ont recruté. Et voilà, ils m'ont offert le costume avec un grand sourire. Et la casquette qui correspond aux couleurs de cheveux de James.
Voilà. Et vu que le chapeau de paille rouge de Pikachu correspond avec Jessie, ben voilà, ça fait le duo parfait, tout simplement. Aïe! C'est qui va me niquer, c'est pas possible. Quand même pas me niquer mon Mewtwo. Allez. Et voilà, j'ai battu Sacha, il est un peu dégoûté, mais... On va entraîner un peu plus les Pokémon. Red a l'air stupéfait. Vous avez obtenu le titre d'expert en combat. Ah, il parle pas beaucoup, il est comme Link. Red s'en est allé. Il est timide. Voilà. Bah, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Enfin, un petit câlin à Pikachu. Ah bah, il est parti, Sacha. Eh oui, Pikachu regarde partout autour de lui. Peut-être que... Il retrouvera Sacha un jour ou l'autre, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao, portez-vous bien.